Contrairement à une idée reçue, beaucoup de vendeurs, beaucoup de commerciaux tremblent au moment de vendre. Bonjour, Jean-Luc Udry, conférencier en optimisme opérationnel. Dans cette vidéo, vous allez voir comment gagner en confiance pour vendre mieux et plus. Car en effet, le problème est souvent dans la fonction commerciale que l'on se place ses propres limites alors que rien ni personne ne nous le demande. Histoire vécue. Un jour, je suis jeune vendeur dans une société internationale et je vends du détergent nettoyant adoucissant. Et nous assistons à une réunion avec d'autres vendeurs pour vendre un nouveau produit, un produit phare de la maison, le relancer. Et nous avons donc la bouteille, le détergent, sur la table. Et à côté de cela, on nous donne un portefeuille de présentation qui contient ça, un gant. Et l'on est censé montrer dans les hypermarchés que nous visitons que le produit appliqué sur le gant lave plus blanc que blanc, vous l'avez trouvé. Le problème, c'est que le gant qui nous est proposé est beaucoup plus moche que celui-ci. Si, si, c'est possible. Il est encore plus moche. Et tous les vendeurs qui sont autour de la table font connaître leur réticence. Il est trop petit, il est moche, il ne donne pas envie, on va se faire bananer, comme on dit, on ne vendra jamais ce produit. Et tous les vendeurs sont en train de faire monter leur récrimination devant notre patron, qui nous écoute sereinement. Et quand tout le monde s'est répandu, il nous dit « Mesdames, messieurs, on ne vend bien que ce qu'on achète dans sa tête. Vous êtes les premiers acheteurs de vos produits. Bonne journée et bonne vente. » Paf ! Et sur ce, il remet sa veste, il quitte la salle et il s'en va. Eh bien, c'est cela, la solution du vendeur optimiste irrésistible. C'est cela la solution qui va vous faire vendre plus dès l'instant que votre produit est conçu, réfléchi, marketé, designé, qu'il est entre votre main. Mesdames, messieurs, votre produit, c'est le meilleur du monde. Votre produit est le meilleur du monde et vous allez le vendre parce que vous adorez ça. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que votre produit est le meilleur du monde, votre concurrent, lui, est convaincu que le sien est le meilleur du monde. C'est ballot, c'est lui qui va vendre et pas vous. Appliquez cette solution. Testez-la dans votre réalité. Achetez votre produit dans votre tête avant de le vendre à vos clients. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il va y avoir beaucoup d'autres vidéos qui vous concernent directement. Et pour aller plus loin, en conférence, contactez-moi ici, service sur mesure, avant, pendant et après la conférence. Bon vent et bonne vente !